Aujourd'hui, devant les complexes Révérend Kim, qui est sur 24 novembre, suite à ce qui s'est passé à la justice, au tribunal des jeunes, qui est à la commune de Kinshasa. Et vu de la façon où le procès s'est passé, c'était d'une façon illégale et c'était une injustice au lieu d'être une justice. Et du fait que c'était une justice à double vitesse, raison pour laquelle nous sommes décidés de venir aussi à l'école. Parce qu'au niveau du tribunal pour enfants, ceux qui ont commis les factions étaient au nombre de 7. Mais nous sommes surpris que le juge a condamné seulement les 2 personnes et il a acquitté les 5. De ces 2 personnes, l'un est déjà à Makala, l'autre est condamné à faire de revenir pour payer un 10 000 $. Or, s'il faut revoir dans le système d'hiérarchisation des peines, s'il faut l'évaluer en argent, il n'y a aucune peine qui peut être payée à 10 000 $. Parce que nous payons toujours en francs. S'il faut revoir même lors de l'élaboration de cette loi, et s'il faut l'évaluer actuellement, le montant qui est évalué en francs de l'époque, au taux de l'époque, n'arrivait même pas à 10 000 $. Et aussi, la sanction se fait comment? Vous consommez d'abord la sanction, par après, vous reviendrez pour payer l'amende. Mais pour l'autre garçon-là, il paiera les 10 000 $ sans faire la prison. C'est ce qui nous a d'abord dérangés. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école parce que le préfet a profité de l'occasion pour renvoyer l'élève alors qu'il est un parent. Si l'école est concernée, parce que la scène ne s'est pas passée directement à l'école, mais l'école est concernée indirectement parce que les élèves sont liés par une relation de scolarité. Ce sont des condisciples. Maintenant, les préfets, en tant que parents et éducateurs, ils devaient même passer à la maison, à la famille des parents, afin de les consoler. Il n'a jamais mis les pieds là-bas, mais il s'est permis directement de renvoyer l'élève. C'est pourquoi nous sommes choqués, en tant qu'activistes des droits de l'homme, en tant que parents, je n'ai pas aimé ça. Parce que la fille est violée il y a 7 élèves, 7 garçons qui l'ont violée. Et parmi les 7, les 5 sont acquittés et les 2 sont condamnés. Et là, je revois comme si cela n'est pas une justice. C'est comme si nous vivons toujours l'aventure qui s'est passée en 2017, où il y avait même les sociologues, les mécaniciens, les agronomes qui disaient les droits. Or, s'il s'agit d'un vrai juriste qui maîtrise bien l'approche juridique, qui dit les droits, ne peut jamais s'induire en erreur comme les juges des tribunaux pour enfants de la commune de Kinshasa l'a fait. Là, ce n'est même pas une justice. C'est pourquoi nous sommes choqués. Nous sommes retrouvés aujourd'hui le matin afin de réclamer les droits de l'enfant, la fille qui est révoquée, afin d'être réintégrée. C'est la raison qui nous a menés ici. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, monsieur le journaliste. Je veux savoir la situation actuelle qui vient de se passer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, nous déplorons cette situation parce que nous ne comprenons rien. Nous pensons qu'il y a une main noire derrière ça qui veut déstabiliser l'école, surtout le collège Révérend Kim. Alors, ce sont des jeunes gens qu'on ne connaît pas d'où ils viennent, qui se sont réunis et commencé à faire du n'importe quoi devant l'école. Nous déplorons cette situation parce qu'au moment où nous parlons, les élèves sont dans des salles de classe en train de faire leurs examens. Qu'est-ce qui s'est passé? La situation où le fait là de viol que vous entendez, c'est vrai, il y a eu viol d'une élève mineure. L'élève étudie chez nous, nous ne refusons pas, mais cet acte ne s'est pas passé ici à l'école. L'acte s'est passé un jour férié.
le 17 mai où chaque parent responsable est censé de garder ses enfants. Donc, ces jours-là, tous les enfants étaient sous la protection de leurs parents. L'école, malgré que l'État avait déclaré, il avait parlé à la télévision, l'école Révérend Kim Kom sont des écoles bien organisées, ne se sont pas limitées là-bas. Il y a eu un avis aux parents que le préfet des études, M. Rolly, avait envoyé à tous parents. C'était bien écrit que le 17 mai est déclaré chômage férié, que les parents gardent leurs enfants à la maison. Ils vont reprendre les cours le 20 mai, chose faite. Mais nous aussi, nous étions étonnés. On vient nous informer le 20 mai là qu'il y a eu viol. Le viol ne s'est pas passé à l'école, c'était dans un appartement loué à Gombe. Mais je regrette que les gens, tout ce monde qui vient ici marcher, laissent le monsieur qui a fait louer aux mineurs l'appartement, ils laissent le tribunal qui a jugé les faits, ils viennent s'attaquer à l'école. En quoi l'école est impliquée dans cette affaire? Voilà. Oh, dites-nous un peu. Maintenant, les parents s'inquiètent un peu de votre école, avec tout ce qui s'est passé. Quel message avez-vous adressé aux parents pour être assurés de votre école? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous recadrer un peu. Je ne pense pas que nos parents qui font étudier les élèves ici sont découragés. Non. Parce que le même parent, quand vous le voyez là-bas, ils sont énervés, ils sont en colère, en train de s'attaquer même à ces gens-là qui sont venus nous déranger. Ce ne sont pas les parents qui sont découragés, mais ce sont des gens de mauvaise foi qui viennent déranger, qui veulent nuire notre école, qui veulent bafouer la réputation des écoles Révérend Kim. Ce ne sont pas nos parents. Les parents connaissent bel et bien cette affaire et même quand le conseil de discipline avait statué sur ce cas, il y avait le président du comité des parents qui était là présent. Donc ce ne sont pas nos parents. Nous lançons un message à tous les parents de la République démocratique du Congo qui nous suivent, en particulier ceux de Kinshasa, de nous envoyer les enfants. Nous continuerons toujours à bien les encadrer. Ne vous découragez pas. Vous savez vous-même, comme les Kinois disent, Mangetela Ndebabambakalibanga. C'est ça ce qui se passe ici. Nous avons encadré beaucoup d'élèves qui aujourd'hui sont des responsables dans des entreprises à travers le monde et ici même à Kinshasa. Donc, nous, dans nos écoles Révérend Kim, nous n'organisons pas les cours de viol. Il n'y en a pas. C'est une école chrétienne où nous avons des dignités. On apprend aux élèves l'âme, le corps, âme, esprit. Nous avons des valeurs. Que les gens cessent de ternir l'image de cette institution qui est d'une grande valeur à travers la République démocratique du Congo. Maintenant, quelle est la décision que vous avez prise à propos des élèves qui ont fait cette part de viol, bien qui ont fait cette barbecue qui a donné juste le viol? Quelle est la décision que l'école de Grand Kim a prise en cas de ces élèves? Merci, c'est une bonne question. Je vous ai dit que l'école est très bien organisée. Il y a un conseil de discipline. Aussitôt qu'on avait eu l'information, le conseil de discipline s'était réuni pour statuer sur les cas de tous ces élèves, selon l'article 38 de notre règlement intérieur. L'effet ne s'est pas passé à l'école, c'était ailleurs. L'école doit statuer sur ces cas. Nous déplorons, l'acte est immoral. Les sanctions que nous réservons, je ne peux pas les dire ici, sinon j'aurais déjà dévoilé les décisions du conseil de discipline où je ne fais même pas part parce que moi je suis directeur des ressources humaines, mais on m'avait invité pour participer à cette réunion-là. Merci. Et vous pouvez donner notre propre nom avec vos indications sur l'appartement qui a logé les Indiens. S'il vous plaît. Avec vous les indications de l'appartement. Bon, les indications, nous n'avons pas ça, mais quand on avait, parce que l'école avait entendu tous ses élèves sur PV,
ils n'ont pas donné l'adresse exacte, mais ils ont dit derrière la régie des eaux. C'est ça, il n'y a pas d'adresse. Ils disent seulement derrière la régie des eaux. Nous, on n'était pas là, on a eu des élèves ici, on les a auditionnés, ils ont dit que c'était derrière la régie des eaux. Et ce jour-là, les élèves n'étaient même pas en uniforme. Voilà.